Et on que toute bagaille qui est dit là dans système mots qui dit là toute bagaille qui est en fin dit. Et on croit que m'pas même besoin de parler en pile encore nous qui t'attendre toute bagaille. Premier bagaille nous t'a dit faire nous-mêmes en dedans section Sarrazin. C'est à embrasser l'agriculture. Depuis que nous avons agriculture dans la section Sarrazin, on peut tout notre bagaille pour venir à vous. Par exemple, c'est le besoin qui est plus nécessaire pour nous dans la section Sarrazin. Si nous travaillons, nous plantons pois, nous plantons maïs, nous plantons tomates, on croit qu'il y a besoin de 3 gouttes pour nous payer l'école pour petit. On croit qu'il y a besoin de 3 gouttes pour nous voyer à l'hôpital, il n'y a aucun problème. Nous pas besoin de manger pour nous manger. Pendant que pays a tombé dans tout boum, ça veut dire bah yo pas bon même pour nous. Bah yo pas bon même pour nous. Longtemps nous te malgré nous te sous coup d'état, nous te sous embargo, nous te qu'on manger. Sous Jean Bertrand mais Aristide nous te en embargo nous manger. Mais coulier gardez nous gon président constitutionnel dans pays là, nous pas qu'à manger. Clorox a fond vote nous là, tout le monde qui là, tout le monde qui gagne pour nous. Yo, refugees on the mic. Oh yeah, oh yeah. Man, I went to court the other day to plead for my innocence. They brought me in under the charges of a legal resident. An alien on a foreign land. Uncle Sam wants me go back to my land, the land of the untamed. Gorillas in a mist where everything and the light becomes abyss. They put up their guard, they pump up their fists. Now I'm number one on their motherfucking hit list. Going down for first degree of manslaughter. Making change out of MCs, making them out of quarters. That's their value, that's what they worth. Cause the first shall be last. Nous c'est ancien secrétaire de revendication syndicat STS, HIEH. Mais raison qui cause tout incident ça yo, est parce que en Haïti, pas de justice, pas de loi. Dans quel sens? Comment on peut imaginer si un monde a travaillé, mon a fait 7 mois de travail, il n'a pas touché, mon a une madame, il a une petite, il a un foyer pour le payer, il a un petit monde pour le voir à l'école, il faut le manger, il faut le boire. Mon a fait 7 mois de travail, il n'a pas touché. Jour que, il y a un membre dans le comité exécutif syndical a posé directement la question concernant qui l'a payé, directeur, la preuve en est bien grand débat sur la radio Télé-Guinée, côté que l'agressé en personnel qui est relié, il était sacré sous quel. Mais, bon monsieur, le Félix Lévy, qui est président syndical de l'hôpital général, là, est grand frère. Tout ça qui fait dans l'hôpital, là, monsieur Touab dénoncé que ça qui fait qui n'est pas bon. Et qui met de tout dirigeant en santé publique net censé avoir un problème avec monsieur. Et c'est fait, monsieur pas là, joue ça, il y a un problème, non, je m'a dit, il y a un avocat qui vivre là, monsieur pas là. Les désordres ont fait, il y a monsieur pour monsieur rentrer pour venir mettre l'ordre dans des ordres. Après des ordres fin presque fini net, monsieur rentré. Et que monsieur commencé, caler mon yo à Saint-Simon, bah mon yo quelques coups de pied, pousser mon yo pour pas agresser le directeur. Directeur même, il dit que c'est Félix Milo Lévy qui est président syndicat, qui t'a voyé agresser, qui t'a voyé mon yo venir battre. Dès lors, le vendredi après-midi, il vient arrêter 3 personnels de soutien. Parmi lesquels, il y a des gens qui sont sur la télévision, mais il y a qui pas même venir travailler juste avec les Abner Chérubin. Les qui ont arrêté personnel, le président, le samedi matin, il est monté dans le DCPJ. Si le président syndicat a arrêté personnel, il faut poser des questions pour le connaître, pour qu'il s'est arrêté, pour le salter café, pour le faire. Et que les arrivés, il y a une question qui est posée, il m'a pas posé la question, et que il a appréhendé, il a arrêté. Là, depuis le samedi, il était quimbé dans le DCPJ. Matin, là, qui c'est lundi, il est descendu avec elle. Depuis environ midi, il n'a pas balancé l'encadré là. Jusqu'à présent, pourquoi j'aime qu'à. Yo pourquoi j'aime carré le pour ta tant délit pour ta capable contre ça il a fait pour lui nous même de ce fait nous même nous dit bah ça est violation des droits qu'il y est. Gorillas in a mist where everything and the light becomes abyss. They put up their guard, they pump up their fists. Now I'm number one on their motherfucking hit list. Going down for first degree of manslaughter. Making change out of MCs, making them out of quarters. That's their value, that's what they worth. Cause the first shall be last and the last shall be first, yeah. What we learned was to burn the cushion. Par exemple, si on sort de la rue, vous pouvez voir, vous pouvez facilement remarquer des fils qui sortent du réseau pour aller chez le client. Pas même le client, ces gens-là ne sont pas clients de l'EDH. C'est, ils volent le courant électrique. Si on estime ça généralement à 50% de la production de l'électricité d'Haïti, environ 20 à 25%, parce qu'il y a 75% de la zone et de la République, des zones de la République qui ne sont pas électriques, 75%.
constat que ce sont des entreprises qui ne sont pas rentables. Ces entreprises-là ne sont pas rentables. Pour rentabiliser cette entreprise, il n'y a pas d'autre moyen, il faut les privatiser. C'est ça qu'ils disent pour la galerie. Mais en fait, et au fond, on sait que c'est une politique imposée par l'international. C'est une politique imposée par l'international. Si tu, vous voulez avoir de l'aide, si vous voulez avoir et des prêts par de la FMI, de la Banque mondiale, il faut de toute évidence privatiser. Il y a l'objectif, il y a l'objectif. L'objectif du plan néolibéral, comme de tout pays, c'est réduire l'intervention de l'État. Réduire l'intervention de l'État, on ne veut pas un État providence, hein? C'est un État seulement qui doit investir dans les routes et les structures, en fait, les structures. Pendant qu'en Haïti, nous n'avons pas même les structures, nous n'avons pas de routes. C'est comme si l'État, si on demande à l'État en Haïti de l'investissement, en dehors de ma famille, j'ai environ 10 personnes à aider qui ne travaillent pas, 10 personnes qui ne travaillent pas à aider. C'est pour cela qu'on dit souvent à la Téléco, lorsqu'on a envoyé 3000 employés, ce sont 3000 employés qui travaillent comme en chômage, mais c'est environ 30 000 personnes qu'on met en non-état de fonctionnement. Fait que qui me vient à l'idée de vous dire que l'expérience de vie en Haïti pour le moment c'est 45 ans. Par exemple, on est 6 de vous montrer dans des. Il y a des émissions à la radio, à la télévision, on insiste pour prouver, pour montrer que les entreprises publiques peuvent être rentables. Peuvent être rentables, c'est quelque chose de calculé, de l'erreur inefficace pour justifier la privatisation. Interpretation of degradation, your race relation, and education segregation, emancipation, a capitalization, integration, not separation, your free the Haitian. Sinon, pas de travail, pas manger. Sinon, pas de